Nouvelle vision. Un peuple, une vision. La vérité, c'est que nous célébrons un grand jour.
nous célébrons une grande date. Et cette date n'aurait pas pu avoir lieu, ce jour n'aurait pas pu avoir lieu, si certaines choses n'avaient pas été réunies. Et ces choses-là, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous allons reconnaître parmi nous la présence des membres du corps diplomatique. J'en ai aperçu quelques-uns, ceux des États-Unis, ceux de l'Allemagne, ceux de la France, ceux de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni. Nous n'avons pas trop traîné parce qu'on a déjà assez traîné. Je vais inviter, parce que ma voix n'est pas la plus autorisée pour le faire, le conseiller national, M. Ben Ali-Bechir, pour venir vous dire le mot de bienvenue. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur le représentant du ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques, Monsieur le représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civique, Monsieur le président national du parti Nouvelle Vision, vénérable et vénéré tête couronnée ici présente, Excellences, Messieurs et Dames du corps diplomatique, Messieurs et Dames les responsables des partis politiques, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau national du parti Nouvelle Vision, Messieurs et Dames les responsables des organisations de la société civile, Monsieur le directeur général de la Gendarmerie nationale, Monsieur le directeur général de la Police nationale, Messieurs et Dames les responsables des médias, Messieurs les ambassadeurs officiels de la Nouvelle Vision, chers amis des médias, militants et militantes et sympathisants, amis et proches de la Nouvelle Vision, bonsoir. Ce 17 juin 2023 est un grand jour. Un grand jour pour le parti politique Nouvelle Vision. Nous sommes à un grand soir, un grand rendez-vous avec l'histoire, un grand soir, une grande date, dis-je. Ceci pour deux ou trois raisons. La première, il y a 2 ans, jour pour jour, nous obtenions auprès du ministère d'État, ministère de l'administration territoriale, notre récépissé de déclaration de parti politique. Un grand pas. Après l'injustice subie avec l'exclusion de notre président national par la Cour constitutionnelle. La deuxième raison est liée à la grandeur de la soirée. Deuxième de ce genre dans notre histoire, et elle symbolise un grand rassemblement de tous les fils, filles de la Nouvelle Vision du Togo autour de cet idéal, un idéal commun, qu'est la construction d'un Togo soudé et émergé, le Togo de nos rêves. Nous pensons que pour construire ce pays, tout le monde est important, riche comme pauvre, nationaux, Togolais de l'extérieur, Togolais du Nord et Togolais du Sud. Nous sommes tous importants. Cette soirée démontre bien cette situation avec tous les Togolais, sans distinction, assis un peu partout dans cet amphithéâtre, pour tracer une nouvelle horizon.
pour tracer une nouvelle vision. Ce qui fait l'objet de la troisième raison du caractère historique et grand de cette soirée. Mesdames et messieurs, à cette occasion particulière, l'honneur me revient de vous souhaiter la de notre parti. Au nom de notre président national et en mon nom personnel, soyez tous encore une fois les bienvenus. Alors, mettez-vous à l'aise. Soyez bien positionnés et préparez-vous à vivre une soirée inoubliable. Que je vous souhaite glamour, glorieuse, chaleureuse et au-delà de toute envie. Un peuple, une vision. Un peuple, une vision. Merci. Merci, merci. Nous rendons grâce au peuple, c'est pas le cas chez notre président national qui tient là. Je vais demander à tout le protocole qui se réunit, à son board sécuritaire et à tous ceux qui se réunissent là pour travailler pour qu'ils viennent de m'aider à accueillir le président et je vais demander également au bureau national d'aller le chercher. Merci. Et en attendant, on me rappelle qu'il y a des ambassadeurs dans la salle qui n'ont jamais vu le président et qui le verront aujourd'hui. Nous allons profiter de ce petit temps pour vous parler un peu de notre président national. C'est la partie technique est prête. Lancez s'il vous plaît. Merci. Biographie sommaire. Que Dieu vit à Pointant, communément appelé Aubin, économiste analyste, puis expert en administration et en leadership, est né le 1er mars 1976 au Togo, en Afrique de l'Ouest, où il a effectué ses études primaires, secondaires et universitaires jusqu'à l'obtention en l'an 2000 d'une maîtrise en économie à l'Université du Bénin, aujourd'hui Université de Lomé. En 2001, la recherche du mieux-être l'a conduit à entreprendre un voyage sur les États-Unis d'Amérique où ses facultés d'adaptation et d'anticipation lui ont permis de s'acclimater en entamant très rapidement une vie professionnelle sans pour autant abandonner son projet d'études. Il y obtiendra, grâce à son abnégation, un Master of Information Technology. Thank you.
Mesdames et messieurs, chers militantes et militants, distingués invités, femmes togolaises, hommes togolais, nation togolaise, nous vivons un moment extraordinaire, un moment unique, un moment qui, s'il nous avait été prédit ou s'il nous est compté, nous laisserait perplexes. Dans ce contexte, qui est un sens dessus et dessous, caractérisé par des crises à n'en point finir, et qui, malgré les efforts, nous envoie au tapis, difficile de ne pas reconnaître la particularité de cette soirée, de cette grande rencontre. Aujourd'hui, de faire l'état de notre parti, la Nouvelle Vision, et non pas seulement cela, mais d'être là en tant que le premier responsable du parti et de répondre à vos préoccupations, à vos questions, pour qu'ensemble nous puissions construire le nouveau monde, le Togo paisible, le Togo soudé, le Togo émergé. Donc, si mes collaborateurs sont là dans la salle avec nous, nous ouvrons ainsi la session des questions et réponses sur l'état de notre parti, la Nouvelle Vision. À vous les questions. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Monsieur Amoussou Midodi. Alors, je pense que il faut que nous regardons droit dans les yeux pour ne pas vous caresser dans le sens des poils. Parce que quand on dit parti politique, d'habitude, nous avons tendance à croire que c'est des personnes qui viennent nous aider à améliorer nos conditions de vie. Et tout le monde pense que quand ils arrivent au pouvoir, c'est que même celui qui n'a pas eu le CP peut trouver un boulot. Et ceux qui ne sont même pas allés à l'école estiment que bon, quand un nouveau ou une nouvelle personne arrive, c'est que tout va changer. Alors moi, je vais déjà vous dire qu'est-ce qui est votre particularité. Parce que quand on parle de parti politique, nous savons que la politique, c'est la manipulation, c'est l'habileté, c'est l'argumentation, c'est l'intelligence, c'est tout ce qui rentre dans le commun des mortels, le commun des mortels, lapsus de lingus, pour manipuler le comportemental d'une personne. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous nous apportez en dehors de nouvelles qui est bon, vision qui est future, qu'est-ce que vous mettez comme substance dans votre parti politique? Je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas faire un monologue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Heureusement que nous avons l'opportunité encore de réorienter, comme je l'avais dit dans mon message d'entrée, de réorienter, de former, d'enseigner et de cultiver le positif dans la tête de nos Togolais. Notre frère, merci pour la question, nous disait que la politique ne se définissait que par un paquet de manipulations. Je pense quand même que la mauvaise compréhension de la politique devient un frein au rôle que devrait jouer la politique dans la vie de nos concitoyens, de notre population.
La politique n'est pas un ensemble de manipulations. En tout cas, pour la nouvelle vision, ce n'est pas le cas. La politique pour nous, c'est un ensemble d'outils pour arriver à une destination donnée. Certainement, ensemble d'outils, on peut y trouver la manipulation, la vérité, le droit chemin, les chemins tordus, les chemins à la recherche d'argent et autres. Mais laquelle est la nouvelle vision? Tu dis, la nouvelle vision s'engage, et dans tout ce que nous avons lu depuis le début jusqu'à maintenant, c'est l'engagement social. Nous disons à la nouvelle vision, si vous êtes un engagé politique qui n'a pas un programme pour répondre aux problèmes sociaux de la population, allez de côté. La politique, c'est un ensemble d'instruments qui nous permet aujourd'hui de développer des programmes d'éducation, des programmes d'emploi, des programmes qui vont résoudre les problèmes de nos populations. À la nouvelle vision, avant de nous impliquer dans cette politique, nous avons compris qu'il y a la coexistence de deux blocs politiques. L'un qui a le pouvoir qui le maintient, l'autre qui est à la recherche du pouvoir, mais sans vision de répondre aux besoins de nos populations. Le deuxième vice-président l'a dit très bientôt, nous sommes une partie de l'opposition. Déjà la particularité, je voudrais dire quand même que nous ne nous opposons pas aux hommes. Nous nous opposons à ce qui n'est pas bon. Cela voudrait dire en un point que ce n'est pas tout ce que quelqu'un fait qui est mauvais. À la nouvelle vision, nous reconnaissons ce qui est bon, nous proposons et nous encourageons pour changer ce qui est mauvais. C'est déjà la particularité. Parce qu'avec notre vision, la finalité, c'est de construire un Togo socialement uni et économiquement fort. Dépasser ce clivage de combat politique en deux blocs politiques qui coexistent depuis plusieurs années, tout en ayant une vision de recréer, de reformer la classe moyenne sur notre territoire, c'est ça la nouvelle vision. Et je pense que celui qui est honnête devrait reconnaître aujourd'hui quand même que la nouvelle vision est tellement nouvelle parce qu'elle est impliquée, parce qu'elle recherche des solutions pour la population. Pour conclure, à votre question, je disais à plusieurs de mes ambassadeurs de même nom que lorsqu'il va rester 24 heures pour une élection présidentielle, par exemple, si le Togo est déjà à l'aise, quand Joe Biden ne sera plus candidat. Alors, avec l'assistance, vous savez, on a toujours dit, ceux qui sont allés à l'école, notre ancienne école, on dit, aux gens bien-nés, la parole est contre le nom des amis. En voir le président Ton, je suis surpris, j'ai été surpris. Moi, mon nom, je n'ai pas besoin de vous dire ce que je suis quelqu'un de l'éducation nationale. C'est M. Siliti Yakou Fofana. Voilà la vie va appeler. Je le nommais Papa Siliti. Vous savez, la politique, c'est grâce à M. Ton, au président Ton, pardon, que je suis ici. Il m'a amené, j'ai dit, je ne peux pas venir. Vu ce qu'il est, je suis venu le connaître. C'est un garçon de 76 ans. Noël, à peine il a 47 ans. Vous voyez, il n'est pas donné à tout le monde de l'être. Soyons francs. J'ai été surpris. Avec sa nouvelle vision, effectivement, c'est une nouvelle vision. Mais je souhaite qu'elle aille de l'avant. Encore, vous avez parlé de quelque chose, j'ai toujours crié sur les antennes que l'opposition du président de la République fort, c'est le chômage et la faim. Tous ceux qui sont en train, ça ne peut pas me mentir. Si le président de la République pouvait voir ce côté, je pense que s'il veut faire 100 ans au pouvoir, tant pis pour lui. Vous avez à manger, comme le dit notre président, fils Ton, vous avez à manger.
Vous avez ce que vous voulez faire, vous avez de l'argent. Vous allez regarder si quelqu'un est au pouvoir ou non. Les yeux de répondre. Ne soyez pas des classiques. Si moi j'ai à manger, et que madame est présidente, oh, si je dois gagner 100 000 francs et on me donne 1 million, qu'est-ce que j'ai à voir? Donc, monsieur le président, vous avez fait beaucoup de choses, mais seulement cette chose ne se dessine pas. Vous intervenez socialement, financièrement, c'est à la radio que moi je vous écoute. Radio Nana FM, Victor FM. Bon. Faites tout pour que les gens sentent dans les quartiers, dans les environnements, tout ça là. Parce que tout ce que vous avez dit là, aucun président ne peut le faire. Quiconque prendra le, laissez-moi dire, parce que avec Ford, le président Ford, vous avez beau crier, on ne viendra pas vous arrêter. Ça, au moins ça. Et je pense que notre président aussi, s'il arrivait au pouvoir, il ne ferait pas, il ne verrait pas des influences négatives. Ce que vous devez nous faire, faites-nous. Continuez. Je pense qu'au Togo, ce que vous n'avez pas mis dans votre chose, c'est la sincérité, l'honnêteté dans ce que vous nous avez remis. Le Togolais doit être sincère. Ceux qui seront avec vous, c'est des gens qui vont casser et scier vos fauteuils. Là où vous êtes assis, et ils vont lire ce qui n'est pas bon. Il faut qu'ils soient francs, honnêtes avec vous. Nous devons pas avec vous. Nous devons l'être. L'honnêteté, la franchise, c'est tout. Je vais vous dire quelque chose pour terminer. C'est Dieu qui donne. Le voilà, c'est mon fils. Mais ce qu'il a, je ne l'ai pas. Sincèrement, il faut le voir. Mais autant je ne serai pas jaloux. Ceux qui vont être jaloux, comme vous voyez, monsieur, peut-être le préfet, l'ONG, vous le voyez sortir, vous êtes mécontent, vous êtes jaloux, tant pis pour vous. Tant pis. Dès que vous le verrez, vous serez mécontent. Savez ce qui se passe? C'est la tension. Vos muscles vont grossir de temps en temps. Et dès que vous le voyez, dès que vous l'avez, vous finirez toujours à fermer le et finalement vous tombez. Vous tombez, vous êtes paralysé. C'est ce que Dieu ne veut pas. Quand quelqu'un monte, il faut être content. Si ça ne va pas, aller le voir. Mais comment je peux faire ça? Est-ce que vous pouvez m'aider? Le Togolais n'aide pas. C'est ce que mon président compte. L'aide que vous êtes en train de faire, il faut le faire. Je ne vais pas tenir pour le président. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Et il ne faut pas que ceux qui veulent vous creuser les fossés veulent vous lier, que Dieu les écrase. Il n'a pas les écraser. Il ne faut pas qu'ils fassent qu'ils soient en vie, ils vont revenir. Monsieur le Président, je vous remercie pour toute votre intervention. En fait, j'ai beaucoup de questions, mais je vais me limiter à deux. Mon pays a connu beaucoup de problèmes et il y a eu beaucoup de négociations. Mais à chaque fois, on s'est heurté à une difficulté, c'est le refus de respecter la parole donnée. Est-ce que vous y avez pensé? C'est votre première question. La deuxième question, elle est relative à vos actions sociales. Vous en faites beaucoup. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous occuper des feuilles alors qu'il y a les racines? Quelle est la cause de cette situation? Que faire pour que ces causes ne perdurent pas? Voilà les deux questions que je voudrais poser ici, sûrement qu'après... Par téléphone, par hasard, je vais poser les autres. Merci. Merci à vos frères pour les questions posées. Je l'ai posée. La première était une préoccupation, c'est de savoir si, à la nouvelle vision, nous nous rassurons que les paroles seront respectées. Quand nous rentrons dans un engagement, dans un accord, ça engage les parties prenantes. Cet accord que nous signons ont souvent
des finalités, des intérêts. Je pense que la question primordiale que nous devons nous poser, c'est de savoir si nos finalités sont constructives ou pas. Heureusement, nous sommes sur le terrain en tant que parti politique il y a 2 ans, mais nous y étions en tant qu'acteurs de développement, ça fait plusieurs années. Les gens s'engagent dans des contrats parce qu'ils veulent satisfaire leurs besoins. Les gens s'engagent dans des contrats parce qu'ils ont des manques à combler pour eux-mêmes. Lorsque je me donne, ou bien je donne ma parole pour un contrat, et j'ai la force de modifier en sachant que le respect de ce contrat me portera malheur, c'est possible de le modifier à n'importe quel moment. Mais ce qui est bon à la nouvelle vision, c'est qu'avant de nous engager, nous avons pris le temps, comme vous l'avez dit dans votre deuxième partie de la question, de rentrer aux racines pour comprendre pourquoi les accords ne sont jamais respectés. Quand aujourd'hui, le respect de mon engagement devient une arme contre moi, contre mon existence, contre ma famille, contre ma sécurité, au moment où j'ai toujours la force de réagir, je pense que nous ne sommes pas dans un contrat. Nous devons comprendre que lorsque des parties prenantes s'engagent, il faut une solution résultante. C'est pourquoi la nouvelle vision, nous disons, avoir une solution pour le Togo, c'est d'abord d'arriver à identifier tous les acteurs impliqués dans le problème togolais. Et chez nous, nous avons identifié 6. Il y a le parti au pouvoir, il y a les leaders de l'opposition, il y a le peuple en général, il y a la diaspora, il y a les multinationales et il y a la communauté internationale. Après avoir identifié tous ces acteurs engagés pour arriver à un contrat social, la deuxième question que nous nous sommes posés à la nouvelle vision, c'est de savoir pourquoi tous ces acteurs sont impliqués dans la crise togolaise. Nous prenons le premier acteur. Nous avons identifié 2 problèmes fondamentaux. Le premier, c'est la peur du lendemain. Le second, c'est la peur de perdre les privilèges. Nous avons pris le second acteur, les leaders de l'opposition. Nous avons trouvé un problème fondamental. C'est la recherche de l'alternance à tout prix. Nous avons pris le troisième acteur, le peuple. Nous avons identifié 2. C'est la faim et la recherche de la sécurité. Nous avons pris l'acteur numéro 4, la diaspora. Nous avons trouvé un problème fondamental. C'est le poids économique de la misère de la population sur eux à l'étranger. Et par conséquent, la peur de venir en toute liberté s'installer dans son pays. Nous avons pris le cinquième acteur, les multinationales. Nous avons trouvé un problème fondamental, c'est la sécurisation de leurs investissements. Nous ne pourrons pas investir des milliards dans un pays où ça change tous les jours. Nous avons pris le dernier acteur, nous avons trouvé un problème fondamental, c'est tout faire pour sauvegarder la paix dans la sous-région. La question que nous nous sommes posée à la nouvelle vision, c'est de savoir si nous avons une solution résultante qui va permettre à ce que tous ces acteurs impliqués trouveront une solution. Ce n'est qu'à ce prix que le contrat sera respecté. Parce que si nos solutions proposées ou les actes de cet engagement n'arrivent pas à satisfaire, du moins, d'une manière résultante, les problèmes de ces acteurs, nous n'avons pas encore d'engagement. C'est de là que la nouvelle vision a compris que notre implication politique doit se résumer à une politique des 3C. Contribuer, collaborer et contraindre aux besoins pour construire une nation en sachant quand même que
Celui qui doit laisser le pouvoir est un Togolais comme moi. Celui qui recherche le pouvoir est un Togolais comme moi. Celui qui n'est pas impliqué politiquement est un Togolais comme moi. Et que nous tous, nous devons nous impliquer à la recherche du problème social de notre pays. En ce moment, l'un ne sera plus un danger pour l'autre. Donc, je vous rassure, par la nouvelle vision, avec cette politique, tout engagement que nous aurons à faire avec qui que ce soit trouvera solution parce que nous apportons une solution résultant à tous ces acteurs. Je pense que le développement que je viens de faire à cette première question nous renvoie à la réponse à votre deuxième question qui demandait si nous ne nous attaquons pas aux feuilles en laissant les racines. Aujourd'hui, dans les médias, partout, soit nous avons le pouvoir, nous faisons tout pour le garder, ou soit nous devons nous opposer au régime. C'est les deux. Et depuis plus de 30 ans, nous sommes dans cette posture où ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui veulent le garder pour qu'avec 5000 francs, vous puissiez faire leurs besoins. D'autres qui recherchent le pouvoir se disent, nous n'avons pas la force, sauf la mobilisation. Et cette mobilisation n'est possible que lorsque le peuple souffre. Ce qui voudrait dire que les deux acteurs fondamentaux voudraient quand même que le peuple souffre. À la nouvelle vision, on a dit non. Nous pourrons faire autrement. Il y a des projets de gouvernement, du gouvernement que nous applaudissons. Il y a des projets de gouvernement que nous voyons à des insuffisances. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des propositions envers ces secteurs. Nous n'avons pas besoin de devenir président avant de changer la vie d'un Togolais. Nous le faisons. Mais nous reconnaissons quand même qu'avec la politique, qu'avec les outils politiques et qu'avec le pouvoir de l'autorité, nous pouvons accélérer le développement dans lequel nous sommes pour arriver à satisfaire le besoin du Togolais. C'est d'ailleurs pourquoi nous nous engageons. C'est pourquoi je disais que lorsque le peuple trouve solution, avant les élections, nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes engagés politiquement pour trouver la solution aux Togolais. Je vous remercie. Gérard Wissan, je suis entre autres journaliste et j'ai cru vous entendre dire que les questions, même les plus bêtes, sont autorisées. Je vous ai aussi entendu dire qu'il y a plus de 100 partis politiques au Togo. Ma question, la voici. Si une nouvelle division n'existait pas et que vous étiez obligé d'officier dans un parti politique, d'être engagé dans un parti politique, dans quel parti politique travailleriez-vous? C'est ce que mon professeur appelle question piège. Ce qui est bon, c'est que s'engager politiquement est un devoir civique. Ce n'est pas une obligation civique. Donc si aujourd'hui nous sommes engagés politiquement, malgré le nombre de partis déjà créés, c'est parce que le besoin nous est imposé. Nous sommes engagés socialement, ceux qui nous connaissent, depuis la Togolese Foundation, depuis le mouvement Novi, nous faisons ce que nous pouvons faire en tant qu'acteurs de développement. Mais lorsque par exemple nous avons besoin de faire asseoir une politique nationale de développement, lorsque nous devons prendre des décisions pour que les impôts sur les conteneurs de nos confrères de la diaspora soient réduits, lorsque nous devons nous engager pour qu'un Togolais, dans ce 21e siècle, puisse apporter au moins 3 ordinateurs sans payer, on a besoin d'un pouvoir de décision. Et ce pouvoir de décision, c'est de ça qu'il s'agissait. On ne retrouvait pas cela dans la cohabitation des deux blocs politiques qui existaient. C'est d'abord pourquoi le nom s'appelle Nouvelle Vision. Parce qu'il existe une ancienne vision. Et cette ancienne vision, c'est le combat des hommes contre des hommes. Donc, à votre question, simplement, si on était dans une obligation de ne pas créer la Nouvelle Vision, alors, et on est dans un pays démocratique où le devoir d'implication est un devoir et non une obligation, nous allons toujours aller plaider notre cause
pour que la coexistence des deux change de nature. Ce qui voudrait dire que nos actions, sans avoir créé le parti, seront toujours des actions de nouvelle vision. Je voudrais dire, en vous disant, je voudrais aussi dire, en précisant que la création de nouvelles visions, pour nous, en tant que parti politique, a été quelque part une obligation. Vous êtes témoin de ce qui s'est passé en 2020. Parce que nous nous sommes dit, la solution ne se trouve pas dans un parti. Ça se trouve dans un comportement, dans tout un programme, dans le désir de voir le Togo évoluer. On nous a demandé 2000 signatures, on a donné 5222. On nous a éliminés parce que les signatures n'étaient pas au complet. Mais le Togo a toujours des problèmes, mais nous poursuivons la lutte. Nous sommes obligés de créer un parti pour quand même éliminer ce problème. Sinon, on voit les jeunes de UNIR qui n'ont pas de boulot, qui sont à la fin de leur formation. Les jeunes du NET, du CAR, de tous les partis, et les jeunes qui ne sont même pas impliqués politiquement. Donc pour nous, ce n'est pas question de parti politique. C'est question de programme. C'est une question de comportement. Une question d'amour patriotique. Une question qui nous pousse à le faire. Et cet amour en nous, nous forcera toujours, peu importe la situation que vous posez, de trouver un moyen de créer la nouvelle vision pour résoudre le problème du Togolais. Je vous remercie. Je voudrais remercier le président national, Dr. Tong. Et tout à l'heure, je suis ému quand j'ai suivi votre parcours. Et je voudrais profiter pour vous jeter des fleurs et non des cailloux. Ma question la voici. A-t-on remarqué au Togo que des partis qui naissent, surtout des nouveaux partis, qui sont finalement asphyxiés, et qui se volatilisent dans la nature, ou bien et qui sont phagocytés par le parti au pouvoir? Et vous autres, et je voudrais vous demander dans quel couloir vous autres vous naviguez. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est que et tout à l'heure, votre modérateur a dit que vous ne vous opposez pas à l'UNIR, quoi. Mais chez vous, en Afrique, lorsqu'on parle de parti d'opposition, un opposant d'emblée, c'est le parti qui s'oppose au parti au pouvoir. Mais vous autres, quelle est votre vision là-dessus? Ou bien vous autres, vous faites votre politique autrement? Je voudrais savoir. Et pour terminer, nous sommes sur un terrain politique. Vous savez que, il y a un écrivain qui me dit, Amadou Koumouma, en attendant le vote des bêtes sauvages, il disait, en politique, tout s'achète et se vend au même prix. Et vous autres. Et pour terminer, et je voudrais vous dire aussi que n'oubliez pas cette partie de la chose. Le peuple doit être éduqué, formé, informé. Je prends un exemple. La fois passée dans des recensements électoraux, qu'est-ce qui s'est passé? La petite revendeuse qui vend du colico auprès des cerveaux ne sait pas qu'on est en train de faire le recensement. Alors, que pensez-vous? C'est pourquoi d'ailleurs, en France, après la prise de la Bastille, qu'est-ce que le pouvoir politique a fait? Après la monarchie, il avait installé des instructeurs, c'est-à-dire des enseignants, dans les hameaux les plus élevés. Pourquoi? Pour éduquer le peuple, pour former le peuple, pour informer le peuple. Et vous autres, dans votre parti politique, la nouvelle vision, qu'est-ce que vous en savez? Merci bien. Merci beaucoup, grand frère, pour les questions. Si vous suivez les questions du grand frère, je crois qu'il a donné la réponse dans ces questions. Il dit une nouvelle vision. On est parti de l'opposition, on se pose contre le régime. Les faits sont là. Depuis combien d'années on s'oppose contre quelqu'un? Quelle est la solution? Quel est le résultat? Des centaines, des milliers de jeunes dans la fin de leur formation sont toujours dans les rues. Des mamans au marché reviennent avec leurs marchandises parce qu'il n'y a pas la vente. On nous enseigne à devenir entrepreneur. On va dans les microfinances. On prête l'argent. On crée. Qui va nous acheter ça? Il y a l'existence de deux blocs au Togo. Pas de bloc politique, mais il y a la classe haute et la classe basse.
La classe haute fait ses commandes à l'extérieur. La classe basse va aller prendre le prêt et va faire son entreprise que personne n'achète parce qu'il y a manque de moyens pour la classe moyenne d'en acheter. Donc dans ces questions, il disait, on s'oppose à un régime parce que si on est opposant, c'était ça. Mais le résultat devant nous nous prouve quand même que nous sommes dans une mauvaise direction. Et ça, la troisième partie de sa question disait, il faut que nous ayons une rééducation. Il faut que nous ayons autrement une nouvelle vision. Et voici la nouvelle vision. Et cette nouvelle vision vous dit, mon frère, que ce n'est pas parce que vous êtes unis, par exemple, que vous devez réussir à un concours. Cette nouvelle vision vous dit que ce n'est pas parce que vous êtes de l'opposition que vous ne pouvez pas bénéficier d'un prêt de la FNFI. Nous devons dépasser ce clivage. Nous devons être rééduqués. Nous devons tous avoir une nouvelle vision. Nous devons savoir que la politique, c'est le faire play avec une finalité de construire un pays. Vous l'avez bien dit. Il faut une rééducation. Autrement dit, vous nous dites aujourd'hui qu'il nous faut une nouvelle vision. Et je vous rassure, la nouvelle vision est là pour vous. Merci. Oui. À vous entendre, mais je pense que vu votre palmarès, votre biographie, je pense que vous pouvez ajouter quelque chose à ce pays. Merci. Bon, c'est sûr, ce sont des défis de je suis ici. C'est ça. Vous avez animé deux émissions. C'est ça qui m'a animé à venir ici. Donc, adhérer à un parti, c'est adhérer à un programme. J'aimerais savoir votre programme, le programme du parti. Si vous avez un prospectus, j'aimerais que vous distribuez ça aux assistants, aux invités. Est-ce que vous comprenez? Je vous comprends, monsieur. Je n'ai pas grand-chose à dire. Merci. Du courage. Merci beaucoup, mon frère. Je pense que c'était une suggestion. Heureusement qu'à la nouvelle vision, on dit gouverner, c'est prévoir. Et si je ne mens pas, très bientôt, vous allez recevoir un petit sachet. Et dans ce sachet, il y aura au moins un résumé du programme de la nouvelle vision. Dans la nouvelle vision, pour moi, je suis prêt à gouverner. Merci. Bon, moi, je m'appelle Louis Dohaï. Je suis étudiante au département d'anglais et je suis handicapée visuelle. Ma question pour moi, c'est remercier le président parce que moi, je n'ai pas trop les partis politiques parce que c'est toujours la même chose. Mais avoir sa vision, c'est autre chose. Donc, je le remercie beaucoup et j'aimerais que le bon Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il va faire pour que ce que Dieu veut pour ce monde, ça commence par lui et ça termine par lui. En fait, ma question est, j'ai écouté le président parler de comment aider les couches sociales. Les personnes handicapées font partie des couches sociales. Et moi, depuis que j'ai entendu le nom de Nouvelle Vision, bon, je n'ai pas entendu... quelque chose qu'il a fait pour ces couches vulnérables-là, pour les accompagner, sur le plan scolaire, sur le plan éducatif, je ne sais pas trop. Donc, je voulais savoir ce que le président prévoit pour ces couches vulnérables. Et je vais parler aussi pour les femmes, parce qu'aujourd'hui, sans les femmes, on n'est rien. Les femmes aussi font partie de la population. Le président aussi regarde cette partie de la population parce que ce sont des gens qui souffrent beaucoup. Et j'insiste beaucoup pour les couches vulnérables parce qu'aujourd'hui on est bien portant, mais demain on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc nous tous nous sommes des personnes handicapées. Donc j'aimerais bien que le président mène sa réflexion vers là et je veux savoir ce qu'il a fait jusqu'à nos jours pour les couches vulnérables. Merci beaucoup. Obedek Borela Vivi Desia. À son niveau, bonne année. Obedek Borela Vivi Desia. À la nouvelle vision, on dit on doit parler avec des preuves.
Je pense aujourd'hui que ce n'est pas que je vais descendre pour aller fabriquer quelque chose. Nous avons même prévu une reconnaissance à une personne handicapée qui, malgré ses handicaps, fait l'honneur de la jeunesse togolaise, qui demande qu'il peut être un modèle, qui nous dit à travers ses arts que les handicaps sont contournables, que nous devons avoir le pouvoir de la détermination. Donc, à la dame, je vais vous démontrer très bientôt que vous allez voir un des vôtres, des nôtres, qui sera récompensé malgré ses handicaps et faire l'honneur du Togo. Donc, les handicapés aujourd'hui à la nouvelle vision, je pense quand même que nous en avons invité, nous avons invité aussi l'association des handicapés. Et ceux qui nous suivent dans nos actions vont nous voir à plusieurs reprises dans leur centre des handicapés où nous apportons le peu que nous pouvons faire. Il suffit d'être documenté un peu et vous le saurez. Néanmoins, j'aimerais quand même que les Togolais comprennent une chose. Un parti politique n'est pas une association. Vous ne jugez pas un parti politique par les actions sociales qu'il est en train de faire, mais plutôt comment il agit sur la politique pour que ça puisse être amélioré pour le quotidien togolais. Si la nouvelle vision prend sur elle la charge de s'impliquer pour elle socialement, ce n'est pas la barre de mesure d'un parti politique. Un parti politique, si je ne suis pas au pouvoir, je fais tout pour agir sur le pouvoir pour une bonne gouvernance. C'est le rôle des partis politiques. Ce n'est pas une association, ce n'est pas une ONG. Donc, cessons de juger les partis politiques par les actions, pas combien de puits ils ont creusé, pas combien de fois ils ont fait des dons dans des centres de santé, pas plusieurs choses que nous attendons d'eux. Sinon, nous finirons par créer des partis qui nous font des actions, mais qui au pouvoir seront obligés de payer pour les actions déjà faites. Nous devons être rééduqués pour la politique. Néanmoins, sachez que le désir, l'implication politique de la nouvelle vision trouve son fondement dans la recherche du bien-être et du mieux-être. C'est pourquoi pour nous, le social est majeur. Et si nous le faisons, nous n'allons pas nous comparer à un autre parti qui ne le fait pas. Mais nous puissions plutôt dire quelles sont les actions que la nouvelle vision a pu faire sur la gouvernance togolaise pour améliorer les conditions des handicapés. Quelles sont les plaidoiries que nous avons pu faire pour que ça puisse être amélioré de l'autre côté. C'est comme ça qu'on juge les partis politiques. Il faudrait qu'on soit tous au parfum, au courant, éduqués par rapport à cela. Mais néanmoins, à la nouvelle vision, parce que c'est nouvelle, parce que c'est une nouvelle vision, parce que le social est le fondamental pour nous et que la politique est un outil vers la recherche du bien-être, nous vous assurons quand même, par des témoignages, que les handicapés ont une place très importante, de même que les femmes dans nos activités. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez sur le podium, les sécurités sont qui ? Les sécurités sont qui ? Cela voudrait dire quand même que nous sachons la nouvelle vision, nous savons déjà la nouvelle vision, que les femmes sont les fondamentaux du développement. C'est la base, c'est le socle du développement. C'est une démonstration que nous faisons, qui vous assure que la femme a sa place à la nouvelle vision. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Malheureusement, je fais tard. Pensons aujourd'hui quand même qu'il doit avoir un accent particulier sur le programme d'éducation, sur la nature de l'enseignement et sur le contenu même de ce que nous voulons donner à nos élèves. Quel pays voudrons-nous créer? De quelles valeurs avons-nous besoin? Et ce sont ces valeurs qui doivent être les châssis du programme d'éducation dans notre pays. Aujourd'hui, à travers la célébration de l'enseignant togolais, nous disons seulement que la nouvelle vision reconnaît le rôle essentiel que les enseignants doivent jouer et joueront pour le changement que nous attendons du Togo, afin d'avoir un Togo où la fierté ne sera pas une négociation. Pour le recensement, nous disons que nous remercions la population pour la forte mobilisation. Nous savons quand même qu'il y a beaucoup de motivation derrière la mobilisation, mais néanmoins, pour une fois, nous avons vu
la population se mobilisait. Et nous reconnaissons également, et surtout avec les sorties même de la CENI, que les projections statistiques ont été en deçà de la mobilisation de la population. C'est pourquoi nous plaidons toujours, nous continuons de plaider pour que ceux-là qui ont toujours ce désir de se faire recenser puissent trouver solution dans les jours à venir pour qu'ensemble nous puissions aller à une élection paisible pour démontrer l'avancée de la démocratie togolaise. Et bien, le 17 juin 2003, donc nous avons un voisin. Docteur, il va suivre la formation. Et bien, avec une entreprise, il est employé à maîtresse. Et à mes quoi, mais retourner, ah, docteur, où est-ce que vous avez qui est déjà université, il est au choix, il va tout nuire. Alors, mais à tourner, au docteur, conseil, il y a été un fonds, il y a été une entreprise, il y a été docteur, tout le monde a sous des deux mères. Et nous, il y a trois les bacs de mère. On a un peu de mots qui sont mis. Et là, il y a 2005. Et si moi, je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses. 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 Ambassadeur Thierry César, merci. Après,
femmes, hommes et enfants adultes. Monsieur le Président, en signe de tout ce que vous avez fait, de la Togolese Foundation, en passant par le mouvement Nouvelle Vie et aujourd'hui par le parti Nouvelle Vision, à mon nom personnel et au nom de tous tes collaborateurs, ambassadeurs, diaspora, bureau national, nous te portons et nous t'élevons et t'offrons. Tiens, Excellence. Amen. Monsieur le Président. Bravo. Médassi, le même ou le bonnet, dans l'omianti au Troyal, de nouvelles visions, mais Nico Kébissianti, on y met l'Iba Niba, Kabopore Kapo, Kotchaïo, Mille Kabana Fifi, Miamé Boubou Toa, Niba Kotona, Niba Koudoubé. De nouvelles visions, mais Nico Mère, du Manta Beto Kagena. Et va falloir que vous ayez une scène d'homme, nous, qui est mis sur Fonamena, à vous. Même il est venu à des permis là en gagnant. Je veux tout le monde beaucoup à dire, maintenant qu'on a parti politique, des responsables pour les voir bien. Quand là, Mitevalo, tant loin mais si américain de cap. Vraiment, on a bien trouvé parti politique bas mais au milieu y a sina, notre rovaye Tito Wajan. Mais il faut à tout point il faut. Et avant que même il y ait que vous les tirez, vous avez dit que 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 nous avons dit que nous avons tous les trois, mais bien, mais Niger, mais Ghana, mais Nigeria. Mais là, quand on décide, on a tout volé que là, quand on a deux étages, on a tout le mensonge pour capital, on va clore. Il y a tout le temps, nous sommes bien ici. Et là, l'unité, il y a deux bonnes, pour toute nouvelle vision, il y a quelqu'un qui m'a mis là, on est calé, mais là, tout le monde.
une vision.